Bonne semaine à tous auditeurs et téléspectateurs Radio TV Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info. Pour ce maintenant, quelques principales informations qui prédominent l'actualité militaire, éducation nationale, formation professionnelle lancée officiellement à l'école là pour l'année académique 2016-2017. Là, le 15 septembre 2016, sur le territoire du pays d'Haïti, cérémonie s'est déroulée dans le local l'École nationale république des États-Unis en présence président provisoire Jocelyn Privé avec diverses personnalités qui ont évolué dans le système éducatif haïtien. Parti haïtien tête calée, dressé bilan, tourné candidat pour poste président parti à Jovenel Moïse, déjà réalisé dans le cadre de campagne électorale. Selon le conseil effectif PHTK, Richard Doré, Jovenel Moïse, déjà réalisé 40 points rassemblement pendant renouveler détermination parti à poil affronté. Premier tour élection qui prévoit pour 9 octobre Kabila, alors que le dirigeant parti a tout dénoncé, décision KFP a pris pour écarter 900 mandataires parti dans le cadre d'organisation prochaine élection, en même temps décision qui mettait d'ailleurs plusieurs candidats parti a parmi les candidats pour poste député circonscription Camperin, Maléchoua, Orline Pierre. Parti politique combine pour reconstruire Haïti déclaré officiellement le 15 octobre 2016 la l'héritier école, la plateforme politique vérité pour la supporter. Candidat PHTK, Jovenel Moïse, selon coordinateur général parti à Esdras Kader, décision s'apprend à toute transparence, l'État laisse quoi qui pas gagner pendant la plateforme là. Dans le pays de l'autre bord, la Syrie continue à opposer le pays de la Russie, à pays les États-Unis, depuis sanctions qui trouvaient au début du week-end passé en Chine. Dans le cadre de G20, il y a une chance de discuter pendant la journée 5 septembre. Toutefois, le président américain Barack Obama avec le président russe Vladimir Poutine va arriver à une entente dans sa figure rapport à la crise syrienne. Mika, ou est-ce que je tout? Manque de avec aucune chaîne avantage, qui n'y a pas de côté de qui sont à faire blier? Avec Captain Ibok tout côté, il n'y a pas de marché à pile cash dans mon corps. Et puis tout, dans n'importe qui a terminé Ibok pour arriver. Mettez petit Captain Ibok tout côté pour là, tirez l'argent, plop plop. Ou bon, parce que tout vache, quand n'importe commerçant. Nous avons raison, hein? Faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce autre café fausse route. Eh bien, comment c'est qu'on y a? Payez manger avec Captain Ibok tout côté pour là. Ibok tout côté, il simple, il rapide, il bon. Plus d'informations, relez-nous dans 2499-2020. La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vos parents qui lui avaient confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. À travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche, Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre, Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiant Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Olucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42 22 27 82 54 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritain International School of Nursing Boom Bagai. Ministère éducation nationale et formation professionnelle lancé officiellement rentrer l'école là pour l'année académique 2016-2017 là. Journée le 15 septembre 2016 là sur tout le territoire pays d'Haïti,
Cérémonie s'est déroulée dans l'école nationale république des États-Unis en présence président provisoire Jocelyne Privert avec diverses personnalités qui ont évolué dans le système éducatif haïtien. Le discours si Constance féministe éducation nationale et formation professionnelle là d'Orson Jean Beauvoir fait qu'on est l'État haïtien prend toute disposition pour faciliter année l'école là bien déroulée. D'Orson Jean Beauvoir, c'est ministre éducation nationale et formation professionnelle là qui t'a porté plus précision dans le micro Garland Sui avec Markinson Régis. Faire la vie dans la famille et dans la société prend tout son sens en regardant nos tout-petits dans les rues et les jeunes avec leurs uniformes prenant le chemin de l'école. Et quelle meilleure façon d'emprunter la route du développement durable que par celle de l'école. En dépit d'un contexte socio-économique difficile, je me réjouis de constater la mobilisation des familles une fois de plus pour l'éducation de leurs enfants. L'État, de son côté, les accompagne indépendamment des ressources limitées et des différentes contraintes auxquelles il fait face. Ainsi, la subvention et la dotation de manuels scolaires sont maintenus malgré un retard enregistré dans la livraison des ouvrages. Les cantines scolaires seront disponibles dans les écoles. En témoigne la cantine de l'école de la République des États-Unis où beaucoup d'enfants ont déjà mangé ce matin. Et cette année, un accent particulier sera mis sur la qualité des services et l'utilisation des produits locaux. Les enseignants en poste détenant une lettre de nomination et qui travaillent dans des conditions difficiles depuis tantôt 2-3 ans, des efforts sont consentis en vue de résoudre ce problème, en vue d'adresser ce problème. Les directeurs d'école impliqués dans le PSUGO vont aussi recevoir leur dû après que celles-ci auront été vérifiées par les inspecteurs du ministère de l'Économie et des Finances. Des autobus scolaires sont aussi mis à la disposition des enfants pour faciliter leur déplacement. Le gouvernement espère faire plus, toujours plus, mais la réalité actuelle limite les ambitions du ministère sans toutefois affecter sa détermination à retrouver les ressources supplémentaires au fur et à mesure afin d'atteindre les objectifs fixés et assumer ses responsabilités. En ce sens, je remercie le président de la République, M. Jocelyne Privert, son Excellence, M. Jocelyne Privert, pour sa disponibilité constante et son engagement à accompagner le MNFP en ces temps difficiles. Sa présence ici, ce matin, est un signe éloquent de son soutien à la reprise des activités scolaires à l'école haïtienne. Maman et papa petit, m'a dit nous merci. Moi dis merci à tous les parents qui bataillent et font un pile de sacrifices pour Timounio aller à l'école aujourd'hui. C'est plus gros investissement nous fait pour avenir Timounio, pour qu'il puisse venir un citoyen tout bon demain et utile tête sur utile communauté. C'est celle l'école qui a permis de réaliser les rêves si là. Parents, potomitans qui dans quatre coins pays. Spécialement si la yo qui paye en pile moyen. Moi voyez un gros coup de chapeau pour nous, pour travail nous qui paye un prix. Chaque jour nous lever, nous croyons danger la vie pour demain capable meilleur pour petit nous. Gagnez qui prend la ria, gagnez qui aller dans le bureau, gagnez qui aller dans le jardin, car chercher la vie. Tout ça en façon pour capable prendre soin petit yo. Et garantit que chaque timonio gagne plein l'éducation. Bon, côté par le président provisoire, Jocelyne Privert, mandé collaboration tout acteur qui concerné dans le système
éducatif là pour faciliter à l'école là les réussir. Yoselem Priver, c'est le président provisoire qui t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Nous saluons tout acteur et tout agent éducatif pour l'engagement et la collaboration qui permet de journée jeudi 5 septembre non, rentrer des classes à nous te prévoir là l'arrivée faite. Nous connaissons, ce n'est pas facile avec gros difficultés économiques pour famille. Mais moi connais tout par un sacrifice qui est impossible pour l'éducation de tout le monde, pour permettre d'aller à l'école et arriver à l'utilité demain. Dans ce sens, ça, moi voulais saluer spécialement tous les parents à la ronde Bade qui ne peuvent pas suspendre Goumé pour petit arriver à l'école et permettre de réaliser prévu. Chapeau bas pour nos parents, chapeau bas pour nos mamans et papa qui fait un pile sacrifice tant que maman Pam qui te permet de peindre l'éducation qui fait arriver côté mieux aujourd'hui. Merci en pile pour toute votre maman et papa qui mettent main pour ouvrir porte l'école pour petit yo et devancer puis devant. Chers enseignants, vous êtes les piliers du système éducatif haïtien. Vous êtes les aiguilleurs de l'éducation qui accompagnent nos enfants vers le chemin du savoir. Le gouvernement compte une fois de plus sur votre support quotidien pour encadrer nos jeunes en salle de classe et contribuer à la refondation du secteur de l'éducation. Aux enseignants et enseignantes qui attendent depuis des mois, voire depuis des années, soit leur lettre de nomination, soit leur paiement, je m'incline devant vous et vous remercie de votre patience et de votre compréhension qui n'a pas de prix. Je poursuis le combat pour la régularisation de cette situation qui affecte grandement votre vie. Mon gouvernement a d'ailleurs mis à la disposition du ministère les moyens financiers nécessaires pour démarrer le processus de paiement. Je reste à l'écoute du ministère afin de trouver des réponses appropriées aux problèmes qui affectent le bon fonctionnement du système. Chers directeurs d'établissement, la situation de l'école haïtienne doit vous interpeller. Les derniers résultats aux examens d'État confirment les efforts immenses à faire pour la reprise en main des écoles, du système en général. Et en cela, vous avez un rôle de premier plan à jouer pour améliorer la performance académique de votre établissement. Vous êtes les premiers superviseurs du travail de votre école. Votre leadership, s'il est bien assuré, est signe de succès. Je compte donc sur vous pour assumer pleinement cette responsabilité pour la renaissance de votre école et de l'école haïtienne en général. Chères inspectrices, chers inspecteurs, de votre travail de supervision pédagogique et administrative dépend l'amélioration de la qualité du service public d'éducation et des grandes transformations attendues pour un système éducatif plus performant. Lancement officiel rentrée l'école pour l'année académique 2016-2017 a été une occasion pour le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle d'inaugurer le travail de construction locale l'École nationale république des États-Unis qui trouvait le canapé vert. Un discours si constant, la directrice de l'école, Magali Jok, dit satisfait pour la construction de nouveau local, ça qui veut un financement en coopération suisse. Magali Jok, c'est directeur de l'École nationale république des États-Unis qui t'a porté plus précision dans micro radio télé éclair. Écrit pour laisser parler ce bâtiment flambant neuf. Il dit merci à la coopération suisse. Bel exemple de coopération, une construction helvétique d'une école nationale dénommée des États-Unis. C'est un symbole fort qui montre que les États n'ont pas que des intérêts. Cette école donne l'exemple d'une école nationale qui, dans la dignité, accueille ses enfants. Cette école est sortie de terre, de l'intelligence de chaque ouvrier, d'une coopération agissante d'un État qui, sur ce coup-là, a marqué un bon point. Elle est pleine d'enseignements. Elle est le produit d'une firme haïtienne, la Ancotra,
qui a respecté son contrat, les contraintes du temps. Est-ce que je ne devrais pas citer un nom, tout juste un nom, celui du jeune ingénieur résident, Juste Donald, qui, durant 18 mois, a veillé au grain, sur chaque grain de sable, sur les multiples gestionnaires pour la construction de cette école. Nul doute qu'il reviendra avec le feu vert de la Ankoja pour apprendre à nos élèves de ne pas salir les mains pour garder les écoles, pour garder, excusez-moi, leur école propre, assainie, éviter le gaspillage d'eau. Cette école souffle le renouveau, la fierté. Je le vois dans les yeux de chaque parent, dans les yeux des enseignants. Quant à nos élèves, ils sont dopés d'une école avec une tradition de réussite. L'École nationale république des États-Unis ne remet pas aux parents leurs enfants pour échec. Le redoublement est exceptionnel. Réaction dans ce qui a rapport avec l'ouverture classe la poignée académique 2016-2017. La présidente commission éducation, chambre députée, qui était Jean-Philippe, dit constater qu'il y a un peu d'efforts qui fait pour faciliter l'école là, que l'ouvrit pour l'année académique 2016-2017. Là, cependant, président commission a dénoncé quelques dispositions du fait qu'on est qui pour qu'on j'aime adopter pour régulariser situation professoriale. Qu'était Jean-Philippe, c'est président commission éducation, chambre députée, qui t'a porté plus précision dans le micro collaborateur, nous Jean-Sony Le Maï. Et voilà, je vais ouvrir une télévision. Convaincu que faut que l'école ouvre parce que mon maximum de jours de classe, si on le suit, et mon maximum de bagages intellectuels que j'ai besoin. Cependant, je ne fais plus de pression au gouvernement pour toute disposition, mais nous avons lenteur pour le gouvernement, et ça qui handicapé en partie l'ouverture des classes. Et pour Sugoa, il y a un peu d'efforts qui fait, qui est qui commence à bail. Moi-même, comme président de la commission d'éducation, j'ai fait une intervention au niveau du ministère des Finances. Nous avons connu ça aussi. Le ministère des Finances posait des conditions pour payer parce que nous avons élevé des cas de corruption ou de l'école qui n'a pas existé au niveau de l'école. Nous avons fait une expérience au niveau de Port-au-Prince. Je choisis 20 écoles pour payer. Dans 21-14, je vais avoir un niveau de 6 ans passé. Ça veut dire que son programme il y a un peu de problème, il y a un peu de cas de corruption dans la ligne. Et finances posées comme condition, quand il y a un problème de faire un bancaire, mais il faut vérifier l'existence de l'école. Nous pensons que c'est une bonne décision et nous encourager le ministère des Finances à continuer comme ça. Et nous disons, le directeur de l'école, si vous répondez par science, il faut que nous retirions le mauvais carreau, il faut combattre la corruption dans le système. Parce que c'est le prélèvement qu'on fait sous transfert avec un appel international. Nous ne pouvons pas tenir à l'étranger. Nous ne pouvons pas guider vagabond, à dire par ça pour l'idée à faire. Il faut que nous allions à l'école avec ça. Nous demandons inquiétude, nous avons demandé au ministre de l'Éducation et au gouvernement ensemble faire l'effort, c'est payer environ 2500 professeurs qui ont 203 ans, et alors qu'il y a même 4 ans de plus, nous ne sommes pas capables de normalement suivre le chef. Le ministère de l'Éducation nationale est nous garantir la payer. Les mouvements de finances financent par une fiche rose pour nous. Ça veut dire que l'éducation nationale n'a pas gagné l'argent sur ligne ça. Donc il n'a pas fait suivi administratif pour poser ça avec le numéro de problème. Et donc le gouvernement a dit qu'il a injecté ou il a été disponible 230 millions de gouttes. Mais c'est comme ça, pourquoi disponible? Pourquoi disponible? C'est lui-même qui va le voir qui j'ai fait pour commencer à payer pour que ça en fait mois septembre. Et dans l'école à l'ouvrir, moi-même, je mettais quoi en balance là pour professeur toucher, parce que je me suis dit, mon professeur, on va travailler ou pas toucher, parce qu'il faut que la vie il faut le manger, on va pas aller dans les il n'a pas trop. Jusqu'à date de pouvoir est à l'oral. Et décision est en bouche, vraiment, mais il faut la matérialiser effectivement, pas une décision concrètement pour professeur toucher. Et moi-même, en finance, et je parle à mes éducations, je me demandais pour aller très vite. De façon pour que le professeur touche, même s'il va payer 3 ans, 2 ans, 4 ans, 8 mois, mais dans 6 mois, dans 8 mois, au moins un mois et demi pour qu'il reprenne chez mes écoles. Bon, côté par le président de la commission justice et sécurité, chambre députée, M. Prince Cyprien, applaudit la décision de faire connaître PNH Lapron pour garantir sécurité. Dans l'occasion de rentrer l'école là, M. Prince Cyprien, c'est président de la commission justice et sécurité, chambre députée, à qui t'a porté plus précision dans le micro.
collaborateur nous Jean-Sony Le Maire. En somme, matin, nous avons descendu, sorti très tôt. Et moi, ouais, que au niveau de la police de sécurité, vraiment tight. Parce que moi, il y a des policiers sur tout là. Et que même quand l'homme était descendu, il était un peu tôt, nous avons dit que pas de circulation dense. Mais nous voyons que DGPNH a pris responsabilité là, avec responsable de circulation, il était mis en sécurité dans la rue pour permettre que chauffeur et camionnette privée à qui a mené mon école pour capable faire travailler va bien au passion normal. Bon, il y a une bataille pour ratification des GPNH là, c'est pour être capable, monsieur, plein et entier et fonctionner pour être capable d'agir en tant que DG pour mettre sécurité en notre pays. Bon, je suis capable de dire, et présentement pour entrer dans la classe là, nous avons un signe de renforcement de sécurité au niveau de la police et nous-mêmes nous sommes capables de retirer le chapeau devant ça. Nous avons que mon jeune gars a fait travail et il a décidé pour le travail. Bon, je ne dis pas que il a une influence négative parce que là, s'il renforce la sécurité, je pense que faut remettre à César ce qui est à César. Donc, il travaille la fête. Si nous sommes capables de demander pour qu'il y ait plus de vigilance, notre travail qu'a fait là, mais nous a dit que bon bel renforcement et sécurité a pour rentrer des classes là qui, et nous d'accord ça, nous tirons chapeau devant ça. Qui donc pas l'autre information, parti haïtien tête calé dressé bilan tourné candidat pour poste président parti à Jovenel Moïse déjà réalisé dans cadre campagne électorale selon conseiller technique PHTK Guichard Doré. Jovenel Moïse déjà réalisé 40 points rassemblement pendant le renouvelé détermination partia pour affronter premier tour élection qui prévoit pour 9 octobre Kabinela, Guichard Doré, ses conseillers techniques, parti haïtien tête calé, qui t'a porté plus précision dans le micro, radio, télé et clair. HTK et Jovenel Moïse, qui ont vu le travail là, à Léogane, 26 août qui sont passés là, devant un paquet de monde, surtout message là, déclaré que la population de Léogane a demandé ça, et ont été venus, ça nous a donné rencontre. Entre un homme et la population défaite, nous déjeunons ce véritable raz-de-marée que Jovenel Moïse a fait pour l'ouvrir campagne. Et l'ouvrir campagne à l'Éogane, c'était le point de départ vers la conquête du pouvoir. Le 7 février, nous pensons que Jovenel Moïse, c'est lui-même qui parle prêter serment pour l'installer comme président de la République. Dans la logique, nous avons toujours gagné notre élection présidentielle, c'est la rencontre de nous avec le peuple, pour dire que Mounsa a une possibilité pour rencontrer le peuple. C'est dans ce sens, Jovenel Moïse fait 40 points de rassemblement électoral pendant l'élection. En fait, nous parlons de différents points. Nous connaissons la presse, là, la presse locale, etc. Mais nous parlons, par exemple, le 26, nous avons vu à Léogane. Le 27 août, nous avons fait les Iwa. Nous sommes allés dans la Grandance. Nous avons fait les Iwa. Et Anzeno, Dame Marie, Chambellan, Moron, Mafran. Après, nous avons fait une pause. Nous avons les Corail, Pestel, Duchiti, Beaumont, Roseau, Ilkaïmine, c'était 28. Le 29, nous avons fait Abricot, Bonbon, Jérémy. Donc, nous avons fait ensemble de villes et de communes dans le département de la Grandance pour nous délivrer message là. Et tout rencontre ça, on nous fait dans le département de la Grandance, nous avons fait la grande foule, population, c'est la manière de rencontrer Jovenel Moïse. Je suis qui victime de nos machines, de nos systèmes pour dire que le peuple haïtien n'a pas mieux fait abus à petit fille, d'autant plus que Jovenel Moïse ressemblait avec. Donc, nous sommes allés dans le sud. Et le 1er septembre, notre Rendel, Tiburon, Sévré, Les Anglais, Chandonnières, Port-Abri. Après, nous avons sorti dans la commune Sao, nous poursuivons toujours dans le département du Sud, nous avons Coteau, Rochabato, Port-Salut, Saint-Jean, Aniquet, Torbec. Là, c'était le 2 septembre. Le 3 septembre, nous avons Dursis, Chantal, Maniche, Campérin, Caille. Porte-parole PHTK Rudy Rivaud dénonce cette décision fait connaître qu'AIP apprend pour écarter 900 mandataires partis dans le cadre d'organisation prochaine élection et puis en même temps décision qui mettait dehors plusieurs candidats PHTK parmi les candidats pour poste député circonscription Campérin Maniche Langlin Pierre. Ancien sénateur Rudy Rivaud demande pour qu'AIP retourne sous décision ça qui selon lui-même a provoqué grandes conséquences aux partis dans sa qui gagne un pot à l'élection 9 octobre prochain. Ou dire vos ses propres paroles PHTK qui était dans le micro, radio, télé et clair. Que nous avons demandé au Conseil électoral provisoire corriger rapidement, à savoir nous mener sous question mandataire, parce que c'est un bureau de vote
et un mandataire. Donc nous n'avons pas qu'à comprendre que c'est pendant que nous avons enregistré et bien en ligne mandataire PHTKO et puis coïncidence troublante, système tombé. Côté nous avons plus de 900 mandataires qui sont entrés et dans liste mandataire PHTKO et que son situation qui est inacceptable, il faut que CEPA rapidement prenne disposition pour ça, pour être capable de corriger ça. Et dossier, nous gagnons un abus que nous victimes de l'île dans Oboy, dans la première circonscription, le Port-au-Prince, Tancourt et professeur Rénal Jodila, député en clair. Or, au niveau de Campé-Remaniche, nous connaissons que député Olympia dans le deuxième tour. En aucun cas, pas qu'un BCEN qui tranché ces dernières instances qu'il a tranché sur la question contentieuse électorale, et puis pour gagner une espèce, une sorte de résolution qui préparait à dessein et qui voulait changer la décision finale que BCEN a été là. Donc ça, c'est une anomalie. Même la fameuse commission de falsification électorale, nous et cette fameuse histoire de zombies qui était voté pour président et puis qui était voté pour député, magistrat, sénateur, qui est très cocasse. Même cette fameuse commission a recommandé à ce que, dans le dossier de Campé-Remaniche, il y ait un deuxième tour qui fait avec trois candidats. Donc, en aucun cas, on n'est pas capable d'écarter candidat PHTK qui arrive en tête du premier tour et pour élection député dans Campé-Remaniche. Là encore, c'est une situation que nous ne pouvons pas accepter et nous demander pour que rapidement CEPA prenne disposition pour capable corriger ça. Dernier bail que m'a dit, pendant que nous sommes là sur table là, m'a tout profité, lancer message ça. Bail CEPA. Ou que l'élection capable fait 9 octobre pour président paysan, il y a une majorité dans le moment ça qui est déterminée pour le capable faire choix d'une nèg banane pour prendre en main destin paysan. Pas grand chance de changer ça. Nous avons continué avec l'information pour nous faire connaître le parti politique Combit pour reconstruire Haïti, déclaré officiellement le lundi 5 octobre 2016, l'école, la plateforme politique Vérité pour la supporter, candidat PHTK, Jovenel Moïse. Selon le coordonnateur général Patia Esdras Kadet, décision s'apprend à cause de transparence. L'État c'est quoi qui va gagner dans la plateforme-là. Esdras Kadet, c'est coordonnateur général Combit pour reconstruire Haïti, quitte le micro. Radio Télé Éclair. Pour nous lancer un message à tout membre Corée dans 4 coins du pays, qui dans 10 départements, dans 140 communes dans le pays, pour être capable d'appuyer Jovenel Moïse, pour être capable de développer des initiatives productives dans 4 campagnes, pour être transformer un monde qui a prêché l'évangile, pour marcher, faire porte à porte, pour être développer toutes les ressources que vous avez à disposition, pour mettre au profit de Jovenel Moïse pour que joue élection même Jovenel Moïse a gagné élection. La plateforme Vérité qui ont essayé de participer non à gagner seulement parce que les gens étaient portés à faire politique à brasser. Parti politique Corée, c'est lui qui a encragé dans toute section communale, dans toute université, parce que nous gagnons 80% des 5000 membres que nous inscrits pour nous déposer dans le ministère de la Justice. Et m'a dit nous, c'est parti nous campé à l'Anjono. Parti Corée légalisé en décembre 2013. Laissez-le aller dans le show pour qu'on ait fait. Donc ça veut dire que c'est un parti qui est parce qu'il y a un créé qui a une vigilité politique, qui a une ressource, qui a une énergie. Donc une fois que la plateforme Vérité a perdu, bien ça, la plateforme n'est pas brave. Mais ma petite, nous, ce n'est pas celle que la plateforme Vérité a perdu. Il y a un pilote parti qui entend la plateforme Vérité, qui est en négociation avec nous. Pour le moment, la négociation n'est pas encore aboutie, mais en temps et lieu, après ça, pour nous. Dans le pays l'autre bord de l'eau, situation difficile dans la ville Calais, pays la France, le lundi 5 septembre 2016, la côté commerçant, chauffeur, agriculteur, exprimé, collègue, contre présence plusieurs milliers migrants en ville là, manifestant au mandé, évacuation bidonville Calais à 100 petits temps, Canal France 24 a dit nos plus dans nos reportages. Une file ininterrompue de poids lourds et de tracteurs qui rejoint une chaîne humaine. Un même objectif, bloquer l'autoroute A16. Lassés d'attendre des actes, ils sont plusieurs centaines sur le bitume. Routiers, commerçants, élus ou simples habitants, tous viennent crier leur colère. C'est pas du racisme, c'est un vrai ras-le-bol. On peut plus à Calais, stop. Stop. Le jour n'est pas encore levé à Calais et les routiers sont les premiers à lancer le mouvement.
Depuis plusieurs mois, ils sont pris pour cible par des migrants sur la rocade. Certains tentent de monter dans leur camion pour rallier l'Angleterre, de plus en plus violemment. J'ai reçu deux Silex dans le pare-brise, dont un qui a transpercé le pare-brise, qui a atterri à 30 cm de ma tête. Des dizaines de camions lancent une opération escargot sur plusieurs kilomètres. Tous demandent le démantèlement du bidonville. Quelques minutes plus tard, les tracteurs rejoignent le convoi. Comme cet agriculteur exaspéré dont le champ jouxte la jungle. La semaine dernière, ils se sont battus à 500 dans mon champ de pommes de terre. Donc aujourd'hui, j'ai plus de pommes de terre. Et on me dit, on n'a pas d'assurance. Donc voilà, donc je suis quoi moi? Je produis, et pour qui? Pourtant, je suis né là, mais vu la situation qui perdure et qui se complique, on n'en peut plus et moi je suis prêt à partir. Bloqués durant plusieurs heures, les automobilistes gardent leur calme. Beaucoup soutiennent cette manifestation. Bon courage à vous, vous avez raison. Cette ville, mourir comme ça et prendre toute la misère du monde en permanence. Ce soir, une partie est toujours paralysée. Les routiers ont dessiné leur barrage. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, la Syrie continue à opposer pays la Russie avec pays les États-Unis depuis sanctions qui trouvaient depuis le week-end passé en Chine. 4 juillet 20, il y a une chance de discuter pendant journée 5 septembre. Toutefois, Barack Obama avec Vladimir Poutine va arriver joignant en tente dans sa figure rapport à la crise syrienne. Le canal France 24 a dit non plus dans un report. Barack Obama le sait, c'est en partie entre les mains de Vladimir Poutine que se trouve la solution à la crise syrienne. Un Vladimir Poutine qui traîne des pieds, et ce n'est manifestement pas du goût du président américain. Washington et ses alliés européens profitent du G20 pour tenter de faire pression sur Moscou. Je pense que le président russe Vladimir Poutine a une très grande influence sur le fait qu'il y aura ou non un cessez-le-feu et la possibilité d'une aide humanitaire à la population d'Alep. C'est extrêmement urgent. Je l'ai dit de manière extrêmement claire lors de ma rencontre avec lui. Pour la Russie, hors de question d'accepter un accord tant que les rebelles ne se distinguent pas des djihadistes sur le terrain. Mais de nombreuses autres questions coincent, à commencer par le sort de Bachar el-Assad. Après son entretien avec Vladimir Poutine, Barack Obama a évoqué une rencontre productive, mais n'a pas annoncé d'avancées concrètes. D'autant que les deux présidents n'ont pas que les détails, c'est la mission de leurs ministres respectifs. Et l'entretien entre John Kerry et Sergueï Lavrov a lui ouvertement échoué. Nous n'avons pas encore réduit l'écart qu'il y a entre nos positions de manière suffisamment significative pour que cela fonctionne. Mais les instructions à John Kerry et les instructions de M. Poutine à M. Lavrov sont de continuer à travailler sur cette question dans les prochains jours. La Turquie tente de s'immiscer entre ces deux géants. Recep Tayyip Erdogan a enfin, selon ses détracteurs, montré les muscles face aux djihadistes sur le sol syrien. Le président turc affirme également travailler main dans la main avec la Russie et la coalition internationale pour parvenir à un cessez-le-feu d'ici une semaine. Mais c'est bien entre Moscou et Washington que se joue une partie de l'avenir de la Syrie. Quelle est notre principale information qui va dominer l'actualité là, c'est-à-dire l'éducation nationale, la formation professionnelle lancée officiellement à l'école là pour l'année académique 2016-2017. Là, vous l'avez le 17 septembre 2016 là, sur le territoire du pays d'Haïti, c'est remonté, ça a été déroulé dans le local, l'école nationale république des États-Unis en présence président provisoire Jocelyn Pouille, avec diverses personnalités qui ont évolué leur système éducatif haïtien. Parti haïtien tête calée, dressé bilan. Tourné candidat pour poste président parti à Jovenel Moïse, déjà réalisé dans le cadre de campagne électorale selon conseil technique PHTK, Richard Doré, Jovenel Moïse, déjà réalisé 40 points rassemblement pendant le renouvelé détermination parti à poil affronter premier tour élection qui prévoit pour 4 9 octobre Kabila, alors que le dirigeant parti a tout dénoncé, décision qui a été à prendre pour écarter 900 mandataires parti à la cadre organisation. Prochaine élection, en même temps, décision qui mettait d'ailleurs plusieurs candidats, parmi les candidats pour poste député, circonscription, Camperin, Malichoua, Orlin, Pierre. Parti politique conduite pour reconstruire Haïti, déclaré officiellement le lundi 5 octobre 2016, la Liberté École, la plateforme politique vérité pour la supporter
candidat PHTK Jovenel Moïse, selon le coordonnateur général parti à Esgras Kader, décision à prendre à toute transparence, l'État ne sait quoi qui va gagner pendant la plateforme. Dans le pays de l'autre bord, la Syrie continue à opposer le pays de la Russie, le pays des États-Unis, depuis sanctions qui trouvaient depuis le week-end passé en Chine. Dans le cadre du G20, il y a une chance de discuter pendant le 5 septembre. Toutefois, le président américain Barack Obama avec le président russe Vladimir Poutine va arriver à une entente dans sa vie à bord à la crise syrienne. Principales informations avec diverses choses qui étaient faites essentielles. Première édition de l'Ouvert Info pour ce moment. Bonsoir tout le monde.